Shalom bien-aimé dans le Seigneur qui me suivait sur les avertis, que notre roi Yeshua vous bénisse abondamment. Minobozi vraiment à occasion Kolandabiso. Je vais faire cette émission, cette vidéo d'aujourd'hui vraiment bilingue, français, lingala, pour essayer un peu de passer le message à toutes ces deux langues ou toutes ces deux communautés, ceux-là qui parlent lingala et ceux-là qui parlent français, puisque le Seigneur m'a mis à cœur réellement de parler sur ça. Mais je n'aimerais pas faire deux vidéos, c'est pourquoi je vais le faire en français, en lingala. Et surtout selon ce que le Seigneur va nous conduire réellement aujourd'hui. Avant même de commencer, je vais prier pour laisser ces moments tellement du Seigneur. Prions. Merci Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ta présence parmi nous, car je sais que cette mission que tu nous as donnée, cette mission que tu nous as léguée, Yahweh, c'est toi seul qui prends contrôle de toutes choses. C'est pourquoi je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui va suivre cette vidéo. Laisse que toutes ces connaissances, toutes mes connaissances ne puissent pas primer, mais seul ton esprit puisse nous parler. Yahweh, j'abandonne ce moment très saint, mais conduis-nous par ton esprit. Au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Lire pour comprendre. Lire pour comprendre. Deux points, Bible. Cette vidéo va aider une personne, j'en suis convaincu. Puisque comme je venais de le dire, que le Seigneur m'a mis à cœur de te parler, ma sœur, à toi ma sœur, à toi mon frère, puisque je remarque avec le temps que beaucoup de gens qui se disent chrétiens, nous, dans les avertis, nous utilisons plus le terme disciple. Pourquoi? Puisque nous croyons que chrétien reste une connotation quand même générale. Mais le disciple, c'est plus quelqu'un qui suit un maître. Et ce qui est merveilleux ici, c'est que nous ne sommes pas nés à une même époque avec Yeshua. Nous sommes nés réellement plus de 2000 ans après lui. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que nous ne sommes pas le disciple des disciples des disciples, mais nous sommes directement le disciple de Yeshua. Pourquoi? Puisqu'il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de médiateur. La Bible même nous confirme qu'il n'y a pas de médiateur entre nous et Dieu, à part lui-même Yeshua, qui est lui-même aussi Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de médiateur entre le père spirituel, le grand frère spirituel, les fils spirituels. Il n'y a pas ces choses-là donc en Dieu. Toute personne qui croit au Seigneur, il conclut, je vais dire, une alliance avec lui. Il devient un enfant, donc son enfant, et il traite directement avec lui. C'est pourquoi nous disons notre Père, notre Dieu. C'est-à-dire, il est mon Dieu, il est aussi ton Dieu. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Nous sommes disciples puisque nous croyons au message que le prophète et le disciple nous ont donné. Mais nous ne croyons pas aux disciples, nous croyons aux messagers, c'est-à-dire à la personne qui leur a donné ces messages, c'est-à-dire à la personne de Yeshua HaMashiach. C'est ce qui est vraiment extraordinaire ici. Le but de cet enseignement est réellement d'amener quelque chose dans ta vie, toi qui me suis. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'étais encore dans des assemblées, le Seigneur a permis que je passe par là pour voir et apprendre et aussi regarder comment est-ce que ces gens, comment j'ai fonctionné. Et je me suis rendu compte après
qu'il y avait des choses que nous avions apprises. Il y avait des cours que nous avions appris. Il y avait des tactiques, des techniques que nous avions apprises. Mais après tout ça, je remarquais que beaucoup de gens ont la parole théorique, mais en pratique, ils ne font pas ce qu'ils disent. C'est pourquoi c'est très important, lorsque tu lis la Bible, tu dois comprendre ce que tu lis. Et ainsi, ça va t'aider à aller quelque part avec le Seigneur. C'est pourquoi je suis en train de te dire que « Ezama kambuya nzambe » Ok, c'est-à-dire, comprenons quelque chose ici. Des fois, lorsque aux autres la Bible, ce n'est pas toujours clair. Alors, je suis en train ici de voir que lorsque tu lis par exemple l'histoire de brigands et de voleurs, tout ça, dans d'autres versions, ils ont écrit brigands et voleurs, dans d'autres versions, ils ont écrit deux brigands. C'est-à-dire, on ne comprend pas, ou bien si tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu, tu ne comprendras pas réellement ce qui est caché derrière la parole. Gloire au Seigneur que c'est par l'Esprit du Saint, c'est par l'Esprit Saint que nous comprenons la parole de Dieu. Yeshua nous a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous enseignera dans toute vérité. C'est pourquoi, même temps, on a Zoloba Awa, il y a des choses que je, certes, ai préparées pour vous annoncer, mais aussi des choses qui vont sortir de moi que je n'ai pas pu préparer. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit est au-delà de notre connaissance. Le Saint-Esprit est au-delà de notre connaissance. Nous sommes limités, au fait, en tant qu'humains. Nous sommes des créatures que Dieu a fait avec des limites. Par exemple, tu ne peux pas directement mémoriser 1000 mots par heure. Tu ne sauras pas, puisque ton cerveau est limité. Et c'est pourquoi nous ne comptons pas sur notre force, nous ne comptons pas sur notre connaissance, nous ne comptons pas surtout sur notre, je sais pas, préparation, nous comptons plus sur la grâce du Saint-Esprit. Lire pour comprendre. Déjà dans ce qui est de la Bible, nous avons beaucoup de versions bibliques. Ça part de là déjà. Nous avons beaucoup de versions biblique. Et donc la version la plus connue, c'est, on peut dire, c'est Louis II. Mais Louis II lui-même déjà a beaucoup de versions. Ça veut dire, il n'y a pas une confirmation directe ou nette pour dire que cette version ici est la meilleure. Il n'y en a pas. Beaucoup de gens, bien sûr, essayent de bien expliciter les pensées de ceux-là qui nous ont précédés pour rendre les choses faciles. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des bien-aimés qui, en fait, se sont mis dans cette œuvre-là de pouvoir, n'est-ce pas, amener, je vais dire, la connaissance ou bien prendre d'autres versions, comparer et en faire une autre version pour, n'est-ce pas, donner un éclairage à ceux-là qui lisent la Bible. Pourquoi? Lorsque la Bible est mal composée, tu vas aussi lire des choses que tu vas peut-être comprendre par la grâce de Dieu, mais tu auras des lacunes. C'est pourquoi je te dis, lire pour comprendre, ça veut dire que tu ne peux pas te limiter à une version seulement. Non. Il faut, au fait, faire ce qu'on appelle la comparaison des Écritures. Il faut prendre des versions différentes pour voir ce que l'autre a écrit. Il y a d'autres qui écrivent en français, en anglais, en lingala, c'est pas dans d'autres langues, mais des fois, ça complique, il y a des mots, il y a des termes qui compliquent aussi. C'est pourquoi c'est important de prendre le temps de faire cette comparaison, de faire cette analyse, voir les mots, pour voir si ils ont, je vais dire, les mêmes significations pour vous aider à bien comprendre. Ça ne sert à rien de bloquer des versets bibliques si vous ne comprenez pas. Lire pour comprendre, c'est très important. Et des fois, même lorsque beaucoup de gens préparent des messages, ils pensent préparer des messages pour donner à d'autres. Mais ils oublient qu'avant que tu ne donnes quelque chose à quelqu'un, tu dois déjà être capable, n'est-ce pas, de comprendre ce que tu donnes. C'est pourquoi tu verras d'autres gens qui mènent une autre vie, mais ils donnent d'autres messages. Et après, quand tu rentres dans sa propre vie, ce n'est pas ce qu'ils vous prêchent souvent.
La parole de Dieu, c'est une vie. J'ai communiqué avec, mais je parlais avec mon frère, un de mes frères aujourd'hui. Je lui ai dit cela, que lorsque le Seigneur nous dit que mes paroles sont esprit et vie, l'esprit, oui, mais la vie, c'est notre vie. Il faut que la parole de Dieu, je veux dire, vive en toi. Il faut que tu vives la parole et que la parole vive en toi. Lorsque les gens vont te voir, ils verront que tu vis selon la parole de Dieu. En lisant la Bible, il n'y a pas toujours d'éclaircissement pour ce qui concerne les personnages, les événements. Quelquefois, la chronologie des faits ne laisse la place à la confusion des lecteurs. Loin de moi l'esprit de dénigrer le travail ou l'œuvre, l'ouvrage biblique. Loin de moi l'esprit même de dénigrer le travail. Mais je suis en train ici de dire des choses que nous avions compris, puisque ça fait longtemps que nous sommes ici dans cette moisson. Et on en a vu des versions, je vais vous dire. Et souvent, beaucoup de gens prennent des versions selon eux, selon leur, je vais dire, philosophie, selon leur foi, selon leur conviction aussi. Comprenez ces choses, mes bien-aimés. Mais il y a question ici de faire jaillir la lumière, non pas par la philosophie, l'amour de la sagesse, non. Mais plutôt par le Saint-Esprit du Maître Yeshua, notre Dieu. Il est important que lorsque je disais que je parle avec mon frère, je dis, il faut comprendre ça. Mes paroles sont esprit et vie, ça veut dire la vie que toi tu vis, comme la personne qui véhicule le message. Et Bongi Ozala, exemplaire Yamakambo Zoloba. Ne volez pas. Il ne faut pas voler les gens. Mais toi, tu prends des dîmes et des offrandes. Tu en achètes de voitures et de véhicules et des habits pour tes femmes et pour tes enfants. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec ce que tu es en train de prêcher. C'est-à-dire, toi-même qui prêches le genre de ne pas voler, tu es en train de voler. Avant, c'est Dieu qui parlait pour les Lévites et il parlait par rapport à la dîme et aux offrandes. Nous sommes là dans le livre de Malachie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui parle. C'est toi qui deviens Dieu, au fait. Tu parles à sa place. Et pourtant, l'argent que tu vas recevoir, ce n'est pas pour donner aux Lévites, puisqu'ils n'existent plus. C'est pour toi, pour ta poche et tes enfants et ta femme et tes voyages dans de premières classes. Pourquoi? Si tu veux une vie, n'est-ce pas, une vie de luxe que tu veux. Écoutez, lorsque tu veux prêcher, lorsque tu veux lire, ou bien quand tu lis la parole, tu dois comprendre ce que tu lis. Et des fois, qu'est-ce que moi je fais? Avant même de commencer la méditation, je prends le temps de prier. Puisque tu ne peux pas vouloir avoir quelque chose de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, si tu n'es pas en contact avec lui, donc permanent. Si tu n'es pas en contact permanent avec Dieu, tu ne peux pas recevoir quelque chose de lui, au fait. Et moi, je te dis que, des fois, beaucoup de gens pensent que oui, même je n'ai pas besoin de faire l'étude biblique puisque je ne veux pas être prédicateur. Ce n'est pas de ça qu'ils sont en train de parler. Ils sont en train ici de parler de la vie que tu veux, de l'éclairage, de la lumière que tu veux avoir dans ta vie, mon bien-aimé. Et après, qu'est-ce que tu vas en faire? Même dans ta vie courante, tu peux toujours utiliser, n'est-ce pas, les choses que tu apprends de Dieu. Puisque les choses que nous apprenons de Dieu, c'est ça qui constitue même la vie humaine. Les lois de ce monde sont penchées aussi à la loi de Dieu. Lire pour comprendre. Ne lis pas pour montrer combien de versets tu as bloqués. Ne lis pas pour prouver ta connaissance. Non. Donc tu veux lire cette Bible pour comprendre, n'est-ce pas, les textes et les contextes de ce que tu es en train de lire. Et surtout par la grâce de Dieu, lorsque tu les lis avec un cœur humble, le Seigneur t'aidera, n'est-ce pas, à avancer. Ça fait quelque temps que je parlais de personnages bibliques. Par rapport à ces messages, je veux
prendre un personnage biblique que j'aimerais réellement aussi partager avec vous et voir comment est-ce que toi qui me suis, si tu connaissais ces choses. Je suis en train ici de parler de la connaissance de la parole de Yeshua. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est un paquet, bien sûr. Et ce n'est même pas le 100% de ce que le Seigneur est. Mais pour nous qui lisons la Bible, nous sommes lecteurs de la Bible puisque nous voulons connaître ce qui s'est passé avant nous, ce qui viendra après nous. Et notre vie est réellement connectée avec la parole de Dieu chaque jour. Et lorsque tu lis la Bible chaque jour, tu dois aussi comprendre ce que tu lis pour que tu puisses avancer dans la foi et aussi tu puisses aussi gagner d'autres gens pour le Seigneur. Je vais prendre cette partie hein, que je vais faire ici. Parlons de Ananias. Le nom Ananias, Tangoyo Kiango, déjà tu t'es dit, oh, je connais ce nom. Oui, je sais que tu le connais. Ananias. Et souvent, lorsqu'on parle d'Ananias, on fait directement la corrélation avec Saphira. N'est-ce pas vrai? Ananias était le mari à Saphira. Ananias, c'est-à-dire qu'il m'obali, il y a Saphira. Ce qui est important ici, par rapport à notre rubrique, c'est que il n'y avait pas seulement un Ananias dans la Bible. Et peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu le sais, peut-être que tu le savais, mais pas réellement bien, pas exactement. Je vais ici, avec toi qui me suis, faire, n'est-ce pas, cette petite étude sur le nom Ananias dans la Bible. En fait, dans la Bible, il y a trois sortes ou trois personnages ou trois hommes qui s'appelaient Ananias. Trois. Nous les saurons dans quelques minutes ici. Pourquoi je vous dis ça? Imaginez-vous qu'une personne est en train de prêcher et il voit le nom de Ananias surgir dans la Bible. Et ce qui est encore dangereux ici, c'est que tous les trois Ananias se trouvent dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et si j'ai même bonne mémoire, tous ces trois se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Imaginez-vous. C'est pourquoi je vous dis souvent, mes frères, mes sœurs, je le répète encore, Botanga Bible le la journal T, ne lisez pas la Bible comme un journal. Prenez le temps de faire une étude lorsque même tu lis un verset ou un chapitre. Ayez l'habitude de lire tous les chapitres pour comprendre. Avant de comprendre le contexte de quelque chose, tu dois lire toute la lecture. Tu as fait toute la lecture pour comprendre ça. Et cela va t'aider, n'est-ce pas, à comprendre ce que l'Esprit veut te parler. Pourquoi? Parce que si tu ne fais que lire une petite partie de verset, et tu vas rater même la vraie histoire, ou bien donc la pensée derrière ces versets. C'est pourquoi c'est très important. Tu peux lire un verset, mais il faut toujours avoir l'idée de rentrer pour lire de tout le chapitre afin de comprendre. Parce que ce que tu as dit, tu peux comprendre. Il faut tanga mobimba pour comprendre. Donc, il y a trois Ananias dans la Bible. Tous ces trois Ananias se trouvent dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et tous ces trois Ananias se trouvent aux Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, c'est très capital de déceler, de comprendre, d'extirper toutes ces connaissances, tous ces noms et par rapport à ce que je suis en train de dire là, pour comprendre l'idée générale de ce que je suis en train de lire. Sinon, tu vas te contredire même dans la prédication, tu vas te contredire dans l'explication, tu vas te contredire même dans dans les contes, lorsque tu vas commencer à raconter comme ça, tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Même quand je fais tout ça, je sais que seul le Seigneur Yeshua peut, n'est-ce pas, t'éclairer.
bien sûr par son esprit. Mais moi, je te donne quelques astuces, je te donne quelques tips pour que tu puisses, n'est-ce pas, arriver à comprendre de quoi il s'agit ici. Mais avant que je ne puisse avancer avec ce que je suis en train de dire, je vais te poser une question, mon frère, ma sœur. Je prends d'abord un lingala. Est-ce que Nenge Ozawana, tu es sûr que tu es né de nouveau au Botama Esika? Nenge Ozawana. Ce que le batou niyo, batcheyo yo moko libo soit conscience na yo. On assure vraiment que on dit mais la Yeshua n'a pas moyen à de vrai de vrai. On assure que namo te manayo, on en a koyinate. On assure que namo te manayo, on en a kindokite. On assure que namo te manayo, on a likunyate. On assure que namo te manayo, on en a masumute au salaka chaque jour. On assure. Es-tu réellement sûr d'avoir le salut en toi, d'être sauvé, que ton cœur est vraiment ne te reproche de rien? Es-tu réellement sûr que tu es né de nouveau? Es-tu réellement sûr que tu as donné ta vie à Yeshua? Au Pessabu Moïna, on a un pasteur, une église, on a un pentecôtiste, on a un protestant, on a un kimbanguiste, on a un libre. Est-ce que tu es sûr réellement que tu es né de nouveau? C'est d'abord la première question, puisque ça ne sert à rien tout ce qu'ils sont en train de faire si vous ne vous repentez pas. Le premier message que Yeshua avait prêché, c'était « Repentez-vous, il faut vous repentir. » Bon, bon, la mité manabino, bon, changer façon kozala. Bon, tika ma soum, bon, tika ma bé. Bon, tika ma bé, bon, ça là. Parce que ma bé, on a une ça là, et comme ça, ma bé, c'est comme une personne qui, en fait, ma bé, t'as rien depuis bon, bon, moi, n'a tellement que, qu'on bête, comme on a un gros, comme on a un ma bête serait tondue comme un monstre. Ma monna sous somme ya ma bête. Ma bête serait tondue na katina yo comme un la ndoki. Osa sous na ma ya batoute. Mitala ma kambunyo sur l'an de konazo koibisa yo. Regarde-toi par rapport à ce que je suis en train de dire. Regarde par rapport à ce que je suis en train donc de t'expliquer. Si tu te retrouves même avec quelques pourcentages de ce que je suis en train de dire, change. Lorsque nous disons que le Seigneur est notre maître. En lingala, nous disons Azan Kolo Nabiso. En Kolo, c'est le propriétaire. Nous lui devons tout, alors tout. Donne ta vie à Yeshua. Répands-toi. Abandonne ta vie de péché. Laisse la place au Saint-Esprit. Avance avec lui. Tu verras qu'il va faire des choses dans ta vie. Et tu me poseras la question. Mais je vais faire comment pour croire, parce que moi je pense que depuis mon enfance, je suis à l'église, depuis mon enfance, je suis né dans une famille chrétienne, tout ça. Et il faut yomo qu'on l'assure. On peut être né dans une famille chrétienne. Job avait ses enfants aussi, mais ses enfants ne craignaient pas Dieu comme lui. Sodome et Gomorre, nous avons vu l'histoire de Lot et sa femme et ses filles. La femme n'a pas écouté, n'a pas entendu la voix de Dieu. Elle n'a pas écouté la voix de Dieu. Elle est restée comme un bloc. C'est pourquoi, dans ce psaume, que le salut est tellement individuel que chaque fois, tu dois faire ce qu'on appelle l'introspection. Tu dois faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. Omikot sanakat naotala. Romains 10, 10 nous dit, toi qui me poses la question, comment faire pour croire ou bien pour savoir si tu es en Christ ou pas, Romains 10, 10 nous dit, il faut que tu croyes et que tu confesses le nom de Yeshua HaMashiach. On dit, c'est toi mon Dieu, c'est toi mon roi. On dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Ephésiens 2, 8, et le Binabiso, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. On a ça la rabola mumingi, bonabo, non. Il faut yo comprendre que tu es sauvé par la grâce est là, mais toi tu dois vivre dans la sanctification et dans l'amour pour que tu reçoives la vie éternelle. Pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, t'agréer.
1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, verset 6, « Ne dormons pas, ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour ou de la charité, et ayant pour au casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Est-ce que ça la rango? Je rends grâce à Dieu pour nos frères, nos soeurs, nos katia, les avertis, tout ça la rango, tout ça qu'on s'exhorte mutuellement, réciproquement, tandis qu'on s'édifie les uns et les autres, très important. Donc, chaque personne qui marche, qui ne marche pas dans le Seigneur, Yeshua, il est au fait dans le ténèbre. C'est pourquoi même, Nakat, il y a les avertis, nous avons ce que nous appelons le verset clé à notre... Ce que le Seigneur nous a donné, c'est 2 Pierre, chapitre 3, verset 17, j'allais dire. N'attendons rapidement. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ça dit, oh Ezali, message au bisou de joie par rapport à Moussala. Oh, ça dit, nous voulons croître à la connaissance du Seigneur. Mais entre-temps, tu lingi te plaire, naïe. Pas seulement croître dans ta connaissance. Quand on dit connaissance, ça dit lorsque tu es en train de rester, lorsque tu restes, je vais dire, à ses pieds, tu apprends des choses. Je n'ai pas oublié Ananias, tu as là. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race d'élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Biso Moussa na biso angwana. Le Seigneur nous a amenés dans ces champs pour travailler par rapport aux messages qui vont, n'est-ce pas, donner vie aux hommes et aux femmes qui nous suivent. Et en fait, nous sommes là pour vous donner la lumière qui est le Yeshua, afin que ce que vous avez lumière, wana, au changer façon de vivre, tu auras le temps maintenant de sauver d'autres gens. Tout ce qu'on a Ananias. Je disais qu'il y avait trois Ananias dans la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on a dit rapidement? Il y a trois Ananias dans la Bible. Il y a trois sortes d'Ananias dans la Bible. Déjà, le nom Ananias, c'est un nom nabatamoko comme qui nomoko mingi nakati yaba juif. Et Ananias, c'est l'inkoloba, Yahvé a été miséricordieux. Ndelinkoba Ananias et outi na Hanania et outi na hébreu mais na ndenge ya grec Ananias et linkoba Yahweh a été miséricordieux. Toba na première Ananias, toi na katia église primitive na Jérusalem. Nous parlons ici de lorsque vous connaissez l'histoire na Actes apôtres chapitre 4, lorsque les apôtres étaient ensemble avec toute l'assemblée. Les gens venaient avec l'argent de leurs biens vendus. Et Ananias, avec sa femme, sa fille, comme j'avais dit au début, Azaki, l'un est riche dans cette assemblée. Voilà. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté, n'est-ce pas, de vendre leur parcelle, mais bah concocté. Basali, Otobengaka, Basali, Otobengaka, comment dirais-je, bah conspiré, tu vois, Mata Bongo. Ba conspirer yena mwasi na ye que tozo mbongo ndambu to bomba to pesa ndambu tozo mbongo ndambu to bomba mbongo ndambu. Nous allons prendre un peu, nous allons laisser, nous allons leur donner un peu et garder l'autre argent. Mais pour que cela ne se fasse pas voir
moi, je vais d'abord aller, son mari, et toi, tu viendras après. Donc, ça fuira. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Malheureusement pour eux, ces jours-là, le Saint-Esprit les a tous tués. Ça, c'était le premier Ananias. Nakatia, église primitive, il y a Jérusalem. Il y a Jérusalem. Pour comprendre cela, Actes Apôtres, chapitre 4, pour comprendre en gros. Le deuxième Ananias, il y a d'Ananias Oyo, a joué qui rôle dans la vie, il y a apôtre Paul. A Boébi, il y a apôtre Paul, qui d'abord Saul, tant qu'il y a une route à Damas, pour qu'il y ait un traqué chrétien. Le Seigneur lui a, n'est-ce pas, attrapé dans Zéla, le Seigneur lui a fait tomber et il a, en fait, expérimenté la force, la puissance du Seigneur. Donc, même, il ne pouvait même plus voir. Le Seigneur lui dit que, mais pourquoi me persécutes-tu? Parce que lui ne savait pas, en fait, il était ignorant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Atikalaki Bongo, aveugle, il est resté comme ça, aveugle pendant quelques temps, je pense même trois jours. Maintenant, c'est dans le songe que le Seigneur maintenant va faire, apparaître à Ananias, le deuxième Ananias, pour la Kendeko Sambela, n'est-ce pas, pour la Sol ou bien Paul, afin qu'il a recouvré vu Naye, de Ananias avec Sambela pour la Paul. Pour comprendre cette histoire et voir ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9. Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui n'a pas bien compris ce que je suis en train de dire ici. Ôté à Batolobio, non. Voyez-vous des gens comme Ananias, Nzamba, ça qui est grâce à qui ressemble à Paul, pour Paul à moi, a donc à ouvrir, donc, aveuglement, à ici, là. Mais il y a beaucoup d'Ananias, ça n'a pas côté, quand il y a un peu. Tu vas, au fait, faire ce qu'on appelle l'amalgame. Pourquoi tu n'es pas au courant de ça? Et nous avons eu cette grâce de nous asseoir, de lire, de comprendre, pour venir avec ça. Nous ne sommes pas plus meilleurs, nous ne sommes pas, je ne sais pas, extraordinaires, non. Nous prenons le temps avec le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, d'avoir même un jour par semaine, là où tu es vraiment devant le Seigneur avec ta Bible, avec, n'est-ce pas, comment dirais-je, le temps que tu donnes par rapport à la lecture biblique, à l'étude biblique pour que le Seigneur puisse aussi te parler. C'est possible. Donc pour lire l'histoire de l'Ananias numéro 2, c'est lui qui a réellement joué le rôle dans la vie de Paul, c'est dans l'Acte des Apôtres chapitre 9, vous allez lire cette histoire-là. Et Paul même lui aussi a parlé de cet Ananias dans le livre d'Actes des Apôtres, toujours au chapitre 22. Maintenant, le troisième Ananias ici, c'est quelqu'un qui est peu cité dans la parole de Dieu. Ce maître, c'est Ananias, il était au fait un grand prêtre de Jérusalem. Quelqu'un de plus méchant. Trop méchant jusqu'au niveau que même les Juifs ne l'aimaient pas. Et mais les Romains l'aimaient. C'est lui-même qui a comploté pour que l'apôtre Paul soit arrêté, soit traduit en justice. C'est lui-même qui a comploté qu'il a voulu, en fait, continuer presque le travail que l'apôtre Paul faisait. Et vous allez lire son histoire dans l'Acte des Apôtres, chapitre 23 déjà. Vous allez lire cette histoire du troisième Ananias. Et vous allez lire ça pour comprendre réellement, c'est lui-même qui a ordonné qu'on frappe, n'est-ce pas, Paul. Et sa fin était, en fait, les Juifs, ils n'étaient pas contents de lui. Ils l'ont réellement tué. Lui, il est mort comme ça, donc frappé par une foule de gens. Donc, lire ça dans Actes chapitre 23, vous allez comprendre l'histoire. Donc, nous comprenons ici que Yeshua nous a fait du bien en nous donnant la grâce de vivre dans cette époque ici, où on peut lire la Bible, comprendre l'histoire. Je disais à mon frère que nous avons l'histoire de l'humanité, l'histoire de la vie, passé, présent et futur dans nos maisons, cachée dans un livre qu'on appelle Bible. Mais est-ce qu'as-tu le temps de lire ça?
Et je te demanderai de prendre le temps de prier par rapport à ce thème. Prier par rapport à la croissance spirituelle, prier par rapport à la connaissance spirituelle. Pas une connaissance pour prouver, mais une connaissance pour grandir dans la foi. Que le Seigneur te donne la force, n'est-ce pas, de continuer et de faire sa volonté. Et par son esprit, comme il a dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 7, il a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit, Actes Apôtres chapitre 2, et c'est même ce Saint-Esprit, Saint-Esprit est en train d'œuvrer dans nos vies. Et c'est par lui que nous aurons la connaissance parfaite de la personne de Yeshua HaMashiach. Soyez vraiment bénis par rapport à ces messages, lire pour comprendre. S'il y a des questions, comme d'habitude, posez-nous, nous serons heureux de vous répondre. Et aussi, nous allons nous revoir dans une prochaine émission ou vidéo. S'il y a vraiment des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas, surtout à écrire. Écrivez sur WhatsApp pour avoir, n'est-ce pas, aussi des réponses par rapport à vos questions. Et aussi, s'il y a d'autres choses que nous allons comment dire, développer plus tard dans une autre émission, nous reviendrons, je veux dire, pour vous donner ce que le Seigneur nous a donné aussi. Et c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette vidéo. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom.